Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Escia Ultra. Et aujourd'hui, on va parler d'un cas qui est très peu connu en France, mais qui a fait grand bruit en Australie par la longueur et la médiatisation du procès qui en a découlé. Plus connu sous le nom des meurtres de Snowtown, je vous parle aujourd'hui des tueurs Robert Wagner et John Bunting. Alors si vous êtes prêts et que vous êtes bien installés, c'est parti. Pour pouvoir vous expliquer les meurtres de Snowtown, il faut qu'on commence plutôt par la vie de John Bunting, parce que finalement, c'est l'instigateur de tout ce qui va se produire par la suite. Et donc il faut que je vous explique un peu son contexte de vie et surtout comment il a rencontré son complice Robert Wagner. Alors John Justin Bunting est né le 4 septembre 66 à Inala dans le deuxième état d'Australie, le Queensland. Et quand il vient au monde, il a un handicap qui est très peu commun, c'est celui de ne pas avoir d'odorat. Il y a honnêtement très peu d'informations sur son enfance. La seule chose que l'on sait, c'est qu'à l'âge de 8 ans, John Bunting est sexuellement agressé et frappé par un ami de son frère. Et qu'à 15 ans, il a sa première expérience sexuelle qui va mettre enceinte sa petite amie de l'époque. Et globalement, ce sont les deux seules choses qu'on peut apprendre sur la jeunesse de John Bunting. À 20 ans, il va trouver un emploi dans un crématorium, super pratique pour les odeurs, etc. Pas d'avoir de Dora, cool quoi. Enfin, bonne idée, good vibes. Et il va commencer à s'intéresser aux armes à feu, aux photos et à l'anatomie. Et là, franchement, je veux même pas savoir ce qu'il faisait au crématorium. À l'âge de 22 ans, il travaille à la SA Meat Corporation, qui est un abattoir, et il va commencer à se vanter de tuer des animaux, et surtout, le pire, d'aimer ça. À l'époque, il vit dans un appartement avec un de ses amis qui s'appelle Kevin Reed, et la petite amie de ce dernier. Et d'ailleurs, il va tuer le chien de son colocataire, et c'est aussi à cette période-là où il va commencer à vouer une haine, mais sans nom pour les pédophiles et pour les homosexuels. Par la suite, il va rencontrer celle qui va devenir sa femme, Veronica Tripp, avec qui il va se marier en septembre 89 et du coup devenir officiellement le beau-père du fils de cette dernière, James. Le couple va emménager à Salisbury où ils vont avoir pour voisin un certain Mark Hayden qui va devenir ami avec Robert Wagner. Et c'est là où les choses vont vraiment prendre une tournure presque à la Dexter, franchement, je pense que ça aurait pu inspirer la série. À peine 26 ans, en 1992, Bunting va commettre son premier meurtre, celui de Clinton Tresize, 22 ans, dont on retrouve le corps enterré à Lower Light. Et Clinton, il a été tué par Bunting à coups de pelle. Et suite à ce meurtre, qui vraiment l'a pas traumatisé, on s'en doute, Bunting va entamer une relation extra-conjugale avec Elizabeth Hervey, qu'il va finir par épouser, donc divorcer de sa précédente femme et épouser Elizabeth Hervey. Et durant cette année 92, il va aussi tuer de nombreux chats et de nombreux chiens du quartier. Et pour les faire disparaître, il va les plonger dans de l'acide. Et ceci, en fait, il va le faire à chaque fois devant James, son beau-fils, enfin du moins son ex-beau-fils, qu'il va complètement forcer à regarder pour, en quelque sorte, on va dire, l'endurcir. Sur un mur complètement complet de sa maison, il va créer en fait une sorte de réseau interconnecté de personnes qu'il va soupçonner être soit pédophiles, soit homosexuelles. Et ensuite, un peu comme à la Dexter, comme je vous le disais, ça, vraiment ça y ressemble, il va piocher des noms au hasard et décider que leur heure est venue. Et c'est ainsi qu'en décembre 95, il va tuer Ray Davis, 26 ans, qui est un handicapé mental, qui vit dans une caravane dans l'arrière-cour de Susan Allen, une femme de 47 ans, qu'il va aussi finir finalement par tuer, et dont il va réussir à empocher la pension. Et pour le coup, Ray Davis, il va le tuer, mais c'est juste sur une intime conviction qu'il est pédophile, seulement il a absolument aucune preuve, donc il va vraiment tranquille, il se dit « si, si, j'ai raison, c'est bon, je le tue ». Le 8 août 97, Bunting va tuer Michael Gardiner, qui a 19 ans et qui est homosexuel. Puis en octobre, il va tuer Barry Lane, 42 ans, lui aussi homosexuel et travesti, qui était surnommé Vanessa Lane et qui entretenait en réalité une relation avec Robert Wagner. Le même mois,
il tue Thomas Trevelyan, 18 ans, qui est un jeune homme qui souffre de schizophrénie paranoïde. Et ce jeune homme-là, en fait, sa mort va d'abord être qualifiée en suicide parce qu'en fait, il est retrouvé pendu à un arbre près de Kersbrook dans les collines d'Adélaïde avant que la police ne découvre qu'en fait Thomas avait en réalité participé au meurtre de Barry Lane et qu'il avait été tué justement parce qu'il avait parlé de ce meurtre-là à d'autres personnes. Et durant 9 mois, Bunting ne va plus du tout faire de victimes, il ne va pas faire parler de lui, c'est vraiment le calme plat. Jusqu'à Gavin Porter, un jeune homme de 29 ans qui est toxicomane et qui est ami avec James Vlasakis, qui est donc le beau-fils de John Bunting. Et ce jeune homme, en fait, il va l'étrangler dans sa propre voiture et sur sa propriété. Il va ensuite tuer son autre beau-fils, donc le demi-frère de James, qui s'appelle Tony Yaud, qui a 21 ans, et il va le tuer dans sa maison après l'avoir sorti de son lit pendant qu'il était en train de dormir. Et il va en profiter pour faire participer forcément son autre beau-fils James, tant qu'à faire, allons-y gaiement. Et dans la foulée, il va aussi s'attaquer à Frédéric Brooke, 18 ans, qui est un handicapé mental et qui est le fils d'une amoureuse éperdue à lui, qu'il va complètement, en fait, ce gamin, il va complètement le torturer. Il va ensuite choisir une cible facile en la personne de Gary O'Donner, qui est un handicapé suite à un accident de voiture, qu'il va tuer chez lui à l'aide de James et de Wagner. Et alors là, la police va vraiment commencer à tiquer sur ce qui se passe et va sérieusement s'intéresser à Bunting jusqu'au point de le mettre sur écoute. Et Bunting, qui ne se doute de rien, va poursuivre sa série meurtrière en tuant Elizabeth Haydon, 37 ans, qui est donc une de ses voisines, avant de tuer David Johnson, un autre des demi-frères de Vlasakis. Et d'ailleurs, c'est même Vlasakis lui-même qui va l'attirer dans un bâtiment pour complètement, en fait, le jeter en pâture à Bunting. C'est horrible. C'est son propre demi-frère qui va l'attirer pour le faire tuer. Et c'est dans ce même bâtiment au sous-sol qu'on va retrouver les restes de 8 corps plongés dans des barils pleins d'acide. Et l'enquête en réalité va vraiment démarrer du moment où le frère d'Elizabeth Haydon va signaler sa disparition en expliquant que son mari Mark Haydon, que je vous ai déjà cité auparavant, qui était donc le voisin de John Bunting, n'avait lui-même en fait pas signalé la disparition de sa propre femme. Et pour le coup, ses explications en plus étaient complètement floues. Il avait des versions contradictoires. Enfin bref, ça a mis la puce à l'oreille du frère d'Elizabeth. Et du coup, après avoir mis John Bunting sur écoute, c'est tout ce joli petit monde qui va se retrouver sur écoute. Et c'est comme ça que les enquêteurs vont finir par apprendre que certains barils avec les restes de corps vont transiter entre un coffre à la banque puis vers la propriété de Haydon, avant d'être stocké dans un véhicule, puis d'être transféré de nouveau dans un coffre-fort loué par Haydon, sous le nom de Mark Lawrence. Et donc rapidement, tous les soupçons vont se porter vers John Bunting, mais aussi vers son complice, Robert Wagner. Et c'est ainsi que le 21 mars 1998, ils sont tous les deux arrêtés, ainsi que James Vlasakis et Mark Haydon. Durant les interrogatoires, clairement, Bunting va expliquer avoir tué toutes ces personnes-là par la haine profonde de ce qu'ils pouvaient représenter, de ce qu'ils étaient. Haydon va plaider coupable d'avoir aidé Bunting pour les meurtres de Troy Yaud et de sa compagne, donc Elizabeth. Et Vlasakis, quant à lui, il va avouer 4 meurtres en tant que complice de son beau-père, dont celui de son demi-frère, Troy. Et parmi leurs aveux, il y a vraiment des choses qui font clairement froid dans le dos. Ils expliquent qu'ils enfonçaient des cigarettes allumées dans les oreilles de leurs victimes, qu'ils leur cassaient les genoux, qu'ils leur introduisaient des allumettes et leur infligeaient des décharges électriques dans les parties intimes. Bref, des tortures, mais affreuses. Et de là, le procès le plus long de l'histoire judiciaire australienne commence. Il s'ouvre le 16 octobre 2002 et il va durer 12 mois. Principalement du fait, en fait, qu'un des jurés ait refusé de continuer en raison des détails qui ont été donnés sur les meurtres et juste de l'horreur, en fait, de l'affaire. Il n'arrivait pas à supporter, du coup, il a quitté le jury. Et par la suite, pour cette même raison, il y a encore 2 jurés qui vont se retirer de la même manière, pour les mêmes choses. Bref, ça va vraiment être un procès très très compliqué. Au final, Bunting va être reconnu coupable de 11 meurtres et il est condamné
à la prison à perpétuité sans possibilité de remise en liberté conditionnelle le 8 septembre 2003. Wagner, quant à lui, va être reconnu coupable de 10 chefs d'accusation et va être condamné à exactement la même peine que son complice. Et vous vous en doutez, que ce soit Bunting ou Wagner, ils vont essayer de faire appel de leur condamnation, mais la Cour suprême va complètement rejeter leur demande, et à ce jour, ils ont épuisé complètement tous les recours qui étaient possibles en Australie du Sud. Pour ce qui est d'Aidan, les accusations de meurtre ont été abandonnées en échange d'aveux, en fait, de son meurtre, de sa compagne et de Troy. Et je crois que finalement, la phrase la plus terrible de cette histoire-là, c'est celle que justement va prononcer Wagner quand il va recevoir sa sentence. Il va dire « Les pédophiles faisaient des choses horribles aux enfants, les autorités ne faisaient rien, j'ai décidé d'agir, j'ai agi, merci. » Et franchement, le mec est dans sa bulle, quoi. C'est pas possible, tu peux pas à un moment donné te dire « Le mec a tué des gens sans aucune preuve. » Et bon, en fait, c'est normal. Pour lui, il est un grand justicier, tout va bien. Ça me sidère. Voilà, ça me sidère. Oui. Bref, en tout cas, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette histoire-là, parce qu'il y a vraiment... c'est difficile d'avoir des informations, étant donné que tout s'est passé en Australie et qu'on n'en a quasi pas parlé en France. Du coup, il y a très très peu de choses. Donc, c'est à peu près ce que j'ai pu retrouver du déroulé des événements, du déroulé du procès. Mais si toutefois vous souhaitez en voir un tout petit peu plus sur cette histoire, je vous conseille de regarder le film Snowtown, qui est sorti en 2011 et qui donne un peu une autre vision, entre guillemets, de cette histoire-là. C'est basé sur ces faits-là, seulement c'est la vision de James, en fait. Ça raconte davantage l'histoire de Vlasakis. Donc du coup, voilà, c'est encore une autre vision des choses, si toutefois vous voulez un autre point de vue de cette histoire-là. C'est en tout cas la fin de cette vidéo sur l'histoire des tueurs de pédophiles. J'espère que franchement elle vous aura intéressé. Moi j'ai trouvé ça impressionnant et franchement j'ai halluciné sur les faits quand j'ai découvert ça. Je me suis dit waouh, le truc de fou, quoi. Bref, en tout cas j'espère vraiment que ouais, ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, activer la cloche des notifications comme toujours, je vous le dis à chaque fois, mais c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et puis moi, en tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un serial killer. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites attention aux petits détails. Ciao.